Bonjour à tous, donc je vois qu'il est l'heure, alors je vais commencer. Donc comme vous pouvez le voir, je m'appelle Marie-France Burguin, je suis professeure d'anglais sur le site INSPE de Pau. Donc je suis maître de conférence et j'ai écrit une thèse de doctorat sur Harry Potter, qui s'intitulait « Jeux d'écriture et de réécriture des Harry Potter ». J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'Harry Potter ou le renouveau de la figure du sorcier. Entre tradition et modernité, j'ai mis des points de suspension à mon titre parce que, bien sûr, j'aurais pu ajouter plein d'autres mots. Il a fallu que je choisisse un titre court, donc j'ai limité la longueur de l'expression. Mais vous verrez que, justement, tout ce qu'il y a derrière aussi, c'est pointillé. C'est ce que je vais essayer de développer dans cette conférence. J'ai choisi de cibler ma présentation sur la figure du sorcier et la présentation du monde de la sorcellerie dans les Harry Potter, car c'est vraiment cela, à mon avis, qui est apparu dans les années 90. J'aurais pu parler du phénomène médiatique des Harry Potter, mais c'est plutôt, à mon avis, ça s'est plutôt développé à partir des années 2000, avec la sortie du tome 4 et toute la campagne publicitaire qui a accompagné cette sortie simultanée en Angleterre et aux États-Unis en 2000. Et puis, bien sûr, après, avec la sortie du premier film en 2001, donc je cible plutôt sur les livres et la création de cet univers de la sorcellerie et de la figure du sorcier. Cependant, je présenterai, pour appuyer un petit peu mes présentations, pour illustrer mon propos, j'irai prendre quelques images et bien sûr, certaines viendront des films qui sont sortis après. Voilà, je voulais commencer par ces quelques remarques préalables, mais je vais pouvoir maintenant commencer mon propos. Les années 90, puisqu'il s'agit là du thème du BGF cette année, ont vu apparaître le jeune sorcier le plus célèbre de la littérature mondiale, Harry Potter. Puisant à la source de nombreuses traditions littéraires, J.K. Rowling a inventé un monde en même temps imaginaire et si proche de nous, un univers débordant de trouvailles dans lequel tout lecteur rêve de plonger. Elle a renouvelé la figure du sorcier en combinant des éléments d'une sorcellerie traditionnelle et des outils ou figures issues d'autres traditions littéraires ou sources mythologiques. Par un renversement de situation progressif, cet univers des sorciers devient peu à peu la norme, sans doute parce qu'il est parfaitement cohérent et qu'il ressemble aussi beaucoup finalement au nôtre. Ce monde, découvert au fil des tomes, nous offre aussi une sorcellerie très contemporaine, dont la modernité apparaît surtout à travers de nombreux objets à la croisée du merveilleux et des nouvelles technologies. S'y impose de plus en plus fortement la figure du héros, jeune sorcier, qui elle aussi va évoluer au fil des histoires. L'œuvre donc évolue en même temps que son héros, et cette complexification du monde fictionnel se retrouve aussi dans la maturation du lecteur. Plus complexe qu'il n'y paraît, l'ensemble a également d'emblée connu un succès transgénérationnel grâce à son caractère hybride. Ancré dans plusieurs courants littéraires, multipliant les intertextes, c'est-à-dire les références à d'autres textes, littéraires ou cinématographiques par exemple, les romans favorisent le double niveau de lecture caractéristique de ce que Sandra Beckett appelle la crossover literature. Sandra Beckett, qui est spécialiste de cette littérature qui touche à la fois un public jeune et un public adulte. Si elle encourage l'immersion fictionnelle et facilite ainsi l'identification de son public à un héros imparfait, et une magie parfois défaillante, l'auteur l'incite également à porter un regard distancié et amusé sur l'univers qu'elle a créé. Mettant en scène les faiblesses de l'univers sorcier, le détournement se fait surtout grâce à la présentation de la magie ou la sorcellerie comme imparfaite. La romancière donc construit un univers qu'elle déconstruit ensuite, tout comme elle déconstruit son travail d'écriture, en se moquant de ses propres créations linguistiques, par exemple. Elle se joue enfin de la célébrité de son personnage à de nombreuses reprises et encourage aussi ses lecteurs à prendre du recul par rapport à son œuvre et à son succès. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a donc tout un jeu de construction d'un personnage et d'un univers, mais il y a aussi un jeu de déconstruction de cet univers et de ses personnages. Je vais commencer par vous parler d'un univers, par contre, qui est très classique, c'est celui du début. Des romans d'Harry Potter. C'est un univers qui respecte parfaitement certains codes et une certaine imagerie traditionnelle de la sorcellerie. Harry est donc un jeune sorcier qui découvre, à l'âge de 11 ans, qu'il va devenir élève donc à l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard. Le sorcier doit dès le départ
S'équipé de la tenue et des accessoires traditionnels, muni d'une liste de fournitures, Harry doit aller dans une rue commerçante bien précise, le chemin de traverse, s'acheter donc une robe, un chaudron, des grimoires, une baguette, etc. et un animal de compagnie typiquement associé au monde de la sorcellerie. Ça peut être une chouette, ça sera le cas de Harry, un rat, un chat ou un crapaud. Alors voilà la toute première image que j'ai choisie pour illustrer cette imagerie très traditionnelle finalement de la sorcellerie, surtout dans l'univers de la littérature de jeunesse. L'imagerie d'Halloween n'est pas loin. Il est intéressant de voir d'ailleurs que cette fête joue un rôle très important dans le premier tome, où elle est très présente. Les lieux sont aussi, ou surtout au début de l'histoire, les lieux traditionnellement associés à la sorcellerie. Châteaux hantés, lacs sombres, forêts interdites rendent d'emblée l'école plutôt terrifiante. Les locaux sont impressionnants et imprévisibles, à l'image des escaliers qui bougent et se déplacent. Certaines salles, comme celle du cours de potions, sont angoissantes. Les professeurs inspirent également la crainte, tels rogues dont les yeux noirs ressemblent à des tunnels sombres. Aux sorciers sont aussi associés des fantômes, des elfes de maison et toutes sortes de créatures hybrides. Je pense là aux centaures, mais aussi par exemple à l'hippogriffe, parmi tant d'autres. Outre les salles de cours, la bibliothèque est aussi un lieu très représentatif du monde de la sorcellerie. Les ouvrages y semblent vivants. L'atmosphère de la scène de visite de la section interdite rappelle un petit peu celle de certains films d'épouvante. Certains livres portent des taches de sang, d'autres murmurent, et l'un d'eux, qu'Harry fait malencontreusement tomber, se met à hurler. À la croisée du vivant et de l'inanimé, les livres occupent une place de choix dans ce monde des sorciers. Lieu de toutes les frayeurs et de toutes les découvertes en même temps, cette bibliothèque cache des ouvrages de magie noire dans sa section interdite, qui peut paraître donc bien infernale. Et il est intéressant de noter que l'enfer, c'est le terme que l'on emploie justement pour décrire le département d'une bibliothèque où sont déposés les livres licencieux interdits au public. Ça, c'est une définition que donne le petit Robert, qui pourrait très bien aller avec la description de la section interdite de la bibliothèque de Poudlard. Dans ce monde, les sorciers peuvent être indifféremment, pardon, des filles ou des garçons. Et ce don peut être hérité de leurs parents, ce qui est le cas de la plupart peut-être, ou inné, comme chez Hermione. Certains enfants de sorciers, comme Ruzard, le concierge de l'école, sont des craquemolles et n'ont donc aucun pouvoir magique. Donc voilà, la transmission n'est pas systématique. L'univers d'Harry Potter est mixte, mais le héros qui porte le titre, dont le livre ou les romans ou les films portent le nom, c'est un garçon. Et le monde de Poudlard est quand même, surtout au départ, très masculin, même s'il se distingue quelques figures féminines. Alors je citerai le professeur McGonagall, bien sûr, qui est professeur de métamorphose et puis qui est aussi la directrice adjointe, on va dire, de l'établissement. Le professeur Shurav, professeur d'herbologie, l'infirmière, la bibliothécaire. La petite exception serait peut-être Madame Bibine, qui est la professeure de Quidditch, donc le sport, le traditionnel sport du monde des sorciers. La majorité des enseignants, par contre, des matières que je qualifierais de fortes, la défense contre les forces du mal, les potions, l'histoire de la magie, les sortilèges, sont bien sûr des disciplines assurées par des enseignants masculins. Le concierge, le gardien et bien entendu le directeur de l'école sont aussi des hommes et sont plus présents, surtout dans les premières intrigues. Trois fantômes sur quatre sont des hommes, donc cet univers est quand même encore très stéréotypé. Stéréotypé par rapport à la sorcellerie telle qu'on l'imagine dans la littérature enfantine, mais aussi stéréotypé par rapport à la mixité, par exemple, et la diversité entre enseignants et élèves, par exemple. Il est intéressant de noter cependant que le professeur qui s'apparente le plus à la figure caricaturale de la sorcière des contes, avec son nez crochu, ses cheveux sales, celui qui est sombre et effrayant, qui est associé à une pièce obscure présentant toutes sortes de bocaux contenant des créatures diverses et qui est expert en potions, c'est un homme ici, c'est le professeur Rogue. Si Harry fait penser à Cendrillon, Rogue nous rappelle les méchantes sorcières des contes. Dans ce monde rempli de clichés, finalement, ce personnage détonne un peu et cette ambiguïté est en fait le trait caractéristique majeur de ce personnage, agent double en tous les sens du terme. Finalement, on peut se demander si le personnage, si le monde d'Harry Potter, pardon, ne serait pas aussi stéréotypique, si transparent qu'il y paraît au départ. Ce qui est intéressant aussi dans cet univers, c'est qu'il puise dans de nombreuses autres traditions.
Bien sûr, la sorcellerie qui est présente dans Harry Potter s'inscrit dans les traditions de la fantasy et du conte, qui sont sans doute les deux univers fictionnels qui font le plus la part belle aux sorciers de tous ordres. Le directeur de l'école, le professeur Dumbledore, nous rappelle les grandes figures des mages de la fantasy anglo-saxonne, tels Gandalf ou Merlin, par exemple. Alors voilà, j'ai choisi cette image pour montrer le parallèle entre guillemets entre Ian McKellen qui joue Gandalf ici et puis le personnage de Dumbledore. Le pendentif, par exemple, dans le tome 7, rappelle par certains aspects, par la possession qu'il impose à celui qui le porte, l'anneau du Seigneur des Anneaux, la cape d'invisibilité aussi. Il nous fait penser à cet anneau puisqu'il permet à qui la porte de devenir invisible. Les potions dans le tome 1, qui font grandir ou pas, rappelle aussi Alice. Il y a une armoire qui sert de lieu de passage, comme dans Narnia. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a énormément de rappels, de clins d'œil, de références à d'autres univers de la fantasy, tout comme les créatures qui sont présentes, par exemple les dragons, font bien sûr penser à l'univers de la fantasy. Il y a aussi de nombreuses références, à de nombreux clins d'œil au conte. Avec bien sûr le chaudron qui est représenté de différentes façons dans Harry Potter, puisque ça peut être aussi le chaudron des élèves, tout comme d'une certaine façon la pancine par exemple, et qui est un élément clé des contes, mais aussi de la fantaisie dans un certain sens. Et puis il y a aussi beaucoup de scènes de miroir, de scènes de métamorphose, que l'on retrouve aussi beaucoup dans les contes. Alors, de nombreux critiques, d'ailleurs, ont fait ce parallèle entre les contes et les Harry Potter. Et certains, comme Isabelle Smatcha, sont allés un tout petit peu plus loin et ont comparé la structure de chaque cycle à la structure du conte. Le héros, hein, d'après ce que nous dit Grémas sur le conte, passe par une épreuve préparatoire, une épreuve qualifiante, puis une épreuve principale, et enfin une épreuve glorifiante qui consacre ce fameux héros. Ce schéma est repris à de nombreuses reprises dans les différents tomes des Harry Potter. En outre, Harry est décrit, je l'ai déjà dit un tout petit peu, comme un cendrillon masculin. Le monde des Moldus donc est caricatural, comme très souvent dans le conte. Les Dursley sont un oncle et une tante aussi cruels que les beaux-parents des contes de fées. Ils le nourrissent mal, l'habillent avec les vieux vêtements de leur fils Dudley. Il dort dans un placard sous l'escalier, au milieu des araignées, et leur fils Dudley le maltraite. De plus, Harry aussi incarne tout à fait le fantasme de ce qu'on appelle le roman familial, ou le roman des origines, qui est si présent dans les contes. C'est cette histoire du fait que le héros a une autre famille, une vraie famille quelque part, qui est beaucoup plus intéressante que celle qu'il connaît. Bon, on découvrira bien sûr peu à peu que c'est la réalité pour Harry, bien entendu. D'ailleurs, Harry est aussi marqué d'un signe extérieur qui confirme qu'il a un don particulier, la cicatrice que lui a laissé Voldemort, qui a tenté de le tuer après avoir assassiné ses parents. On a donc ici de nombreux liens, de nombreux aspects qui nous rappellent les classiques de la fantasy et les classiques du conte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces romans, ces histoires s'inspirent aussi d'autres traditions, et par exemple les mythologies. Et c'est d'ailleurs aussi ce que nous disent Isabelle Cani ou Isabelle Smadja, en nous disant qu'on trouve aussi dans ces livres les charmes et prestiges de mythologies revisitées. Alors on pourrait citer par exemple les mythologies grecques et latines, d'où sont issus les centaures, les harpies, qui est le groupe de musique, un groupe de musique qu'on retrouve dans Harry Potter, le fameux chien à trois têtes, etc. Bien sûr les mythologies celtes et nordiques, qui aussi ont marqué, qui aussi ont inspiré J.K. Rowling, par exemple avec les elfes ou les nains qui jouent un rôle important dans l'histoire. Et on trouve bien entendu la légende arthurienne, qui est un petit peu à la croisée aussi de tout cela. Je pense que c'est celle que l'on retrouve peut-être le plus clairement dans toutes les légendes dans l'histoire d'Harry Potter, avec la légende bien sûr du roi Arthur. Merlin, on l'a déjà dit, ressemble beaucoup à Dumbledore. Comme lui, il a le don d'ubiquité d'une certaine façon, puisque Dumbledore peut transplaner et disparaître très facilement, et de métamorphose. Et Harry, comme Arthur, doit apporter la paix au monde des sorciers, après avoir reçu une éducation, apportée par un grand mage, et surtout après avoir acquis une légitimité maintes fois contestée. Il n'est pas, même s'il est considéré comme l'élu, son rôle de leader n'est pas du tout acquis et c'est justement quelque chose qui va être contesté tout au long des romans. Parmi les clins d'œil, les multiples clins d'œil qu'il y a justement à la légende du roi Arthur, il y a aussi le fait que le Patronus, par exemple, de Harry, cette protection qui est lancée par sa baguette magique, a une forme de cerf.
et qui est aussi l'animal emblématique de Merlin l'Enchanteur. Et je pense aussi à l'épée, hein, l'épée de Gryffondor, qui nous fait penser quand même beaucoup à Excalibur. Ce qui est intéressant, c'est que ce monde qui puise donc dans un grand nombre déjà de traditions est aussi un monde plus complexe qu'il n'est paru au tout début par rapport à ce que j'ai pu raconter, parce qu'il y a une multiplicité des facettes de l'univers et des personnages. Le héros, donc même s'il se distingue des autres en ce qu'il possède un signe distinctif évident, la cicatrice en forme d'éclair qu'il porte sur le front, n'est pas au départ conscient d'abord de sa qualité de sorcier. Il découvre et construit son identité au fur et à mesure des aventures. Sa personnalité de sorcier, mais aussi celle d'adolescent, elle s'étoffe au fil des livres. S'il devient de plus en plus évident qu'il a une mission particulière qui lui incombe, c'est aussi un élève comme les autres qui a des devoirs à faire, se fait punir, a des sautes d'humeur et devient parfois insupportable. C'est quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle d'Harry Potter, c'est qu'effectivement, il y a des moments où il devient très énervant parce qu'on a aussi un ado en crise d'adolescence. Et là, j'ai choisi les images qui font plutôt référence à Harry Potter, l'élève, dont je reparlerai aussi tout à l'heure. Parce qu'on voit, ben, comme tous les élèves, il est obligé d'être en classe, il est obligé d'écouter le cours, de prendre des notes. Et puis, s'il ne le fait pas correctement, alors là, j'ai choisi une image où on voit le professeur Rogue qui le brutalise un petit peu, le secoue un petit peu, ainsi qu'à Ron. Voilà, il est traité, même s'il est par certains côtés visiblement exceptionnel, il est quand même traité comme un élève comme les autres. Et il doit se comporter comme un élève comme les autres. Chez J.K. Rowling, même si le héros, Harry, pardon, est héros et sorcier, à la fois si différent et si exceptionnel, il est aussi très proche, finalement, de ses lecteurs et devient un garçon auquel on peut très facilement s'identifier. Cette double identité du personnage se retrouve dans les autres figures de sorciers qui viennent peu à peu peupler les romans et les films. Les sorciers sont agents du ministère, mères de famille, alors Madame Weasley utilise la magie pour faire la cuisine, employés de bureau, qui travaillent souvent d'ailleurs au ministère, journalistes, employés à l'hôpital Sainte-Mangouste. Être sorcier n'est pas une fin en soi. Un sorcier est forcément autre chose. On n'est pas que sorcier dans le monde d'Harry Potter, on peut aussi bien sûr être professeur. De plus, certaines personnalités sont hybrides aussi, aussi une personnalité multiple. Lupin est sorcier et loup-garou, le centaure Firenze est professeur, il connaît l'astronomie, tout en étant donc centaure et appartenant donc à ce monde des sorciers. Certains, tels le père d'Harry ou la journaliste Rita Skeeter, sont des animagis, capables de se transformer en un animal. Les sorciers sont donc de plus en plus complexes et divers, et en cela ressemblent de plus en plus aux non-sorciers aussi, tout comme leur univers ressemble de plus en plus aux nôtres. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait vraiment une scission entre les deux, il fallait franchir une porte, un mur en l'occurrence, pour entrer dans ce monde des sorciers, via le chemin de traverse, et puis on se rend compte que petit à petit, les préoccupations des deux univers sont assez proches et finalement les structures, les organisations des deux univers se ressemblent aussi beaucoup. L'œuvre de J.K. Rowling, tout comme son héros, est donc évolutive. Plus le personnage grandit, plus l'œuvre se complexifie et s'adapte à son lecteur qui lui aussi évolue. Ça, c'est quand même une des grandes trouvailles de J.K. Rowling, d'avoir proposé une histoire qui se développe sur 7 tomes, suivant les 7 années de scolarité du personnage principal. Et donc les premiers lecteurs, donc la génération Harry Potter, ont pu aussi grandir et suivre l'évolution du personnage au fil de ces tomes. Il est intéressant de voir que la figure du héros change, même physiquement. On a parlé de ses préoccupations, mais on peut parler aussi de son physique. Et les films, justement, et je trouve ça très intéressant, reflètent bien ce changement d'apparence, puisque les films ont aussi choisi d'utiliser, heureusement, le même acteur tout au long des 8 films, puisqu'il y a 8 films, et on voit bien l'évolution du petit personnage de sorcier qui a vraiment l'uniforme traditionnel pour la première image, vers quelque chose d'un peu plus aussi moderne, un peu plus contemporaine, avec une détenue un petit peu différente chez le personnage. Il porte de moins en moins le costume de sorcier, le chapeau disparaît, la robe s'ouvre, et le jean et le sweat remplacent souvent la tenue de sorcier. Aux accessoires classiques, succède même dans le dernier tome, et là je trouve ça très intéressant, un accessoire typiquement féminin, le fameux sac à main de Hermione. Une des caractéristiques de l'univers sorcier d'Harry Potter est justement qu'il se féminise au fil des tomes.
Et c'est ce que je vais vous montrer avec la diapositive suivante, où je suis allée voir si je trouvais une image avec un certain nombre de figures féminines qui apparaissent, grandissent et se développent au fur et à mesure de l'avancée des tomes. Hermione, donc au départ, ce personnage un peu caricatural de la bonne élève, devient celle qui sacrifie sa propre famille pour aider Harry, et celle sans qui il ne peut réussir. Alors on le sait depuis le début qu'elle est indispensable à sa réussite, mais ça devient vraiment une figure très très importante, et surtout dans le dernier, parce qu'à certains moments, c'est la seule personne qui vraiment accompagne Harry dans sa quête. La figure paternelle qui dominait les premiers tomes, il cherchait toujours ses parents, mais on voyait qu'il cherchait beaucoup son père, est peu à peu remplacée par celle de la mère d'Harry, qui est elle-même associée au personnage de Rogue. Et si vous vous rappelez, Rogue, moi j'ai dit au début que c'était un peu celui qui ressemblait le plus à la méchante sorcière, donc à une figure féminine finalement, dans la mythologie, on va dire, traditionnelle de la sorcellerie. Même dans le camp du mal, alors on voit d'autres figures hein, sur la diapositive, on voit aussi Luna Lovegood, dont je reparlerai plus tard, on voit bien sûr Ginny, on voit Fleur de la Cour, enfin on voit beaucoup Cho Chen, bien sûr, on voit plein de personnages féminins qui apparaissent et se développent dans l'histoire, mais même dans le camp du mal, les figures féminines deviennent des personnages clés. Bellatrix Lestrange, qui a pour Voldemort la même loyauté qu'Hermione pour Harry, prend de plus en plus d'importance, et le Seigneur des Ténèbres sera finalement trahi par la sœur de Bellatrix, la mère de Draco, donc de Drago, pardon, qui mentira sur la mort de Harry pour sauver son propre fils. Il y a aussi, parmi les figures que l'on voit, je pense à Dolorès Ombrage, qui est quand même quelqu'un aussi qui prend de plus en plus d'importance à partir du cinquième tome. Ce qui est intéressant, c'est que la sorcière victorieuse devient, ou semble être maintenant aussi, une mère qui se bat pour sauver ses enfants, tout comme Madame Weasley, tu vas tuer Bellatrix Lestrange. Et peut-être que c'est un clin d'œil à cette féminisation, on va dire, de ce univers, ou cette valeur famille qui revient dans cet univers, parce qu'à la fin, on retrouve Harry, Ginny, Ron, Hermione en parents, avec leurs propres enfants, qui vont poursuivre l'aventure. Je voudrais revenir un instant sur le personnage d'Hermione, qui évolue au moins autant que celui d'Harry dans l'heptalogie, c'est-à-dire dans les sept romans qui nous intéressent. De bonne élève, très respectueuse du règlement et qui a peur surtout de se faire punir, elle devient chef de la rébellion, elle organise l'armée de Dumbledore et elle lui donne les moyens de communiquer. Puis elle accompagne Harry dans sa quête des Horcruxes et lui sauve la vie à plusieurs reprises. Elle est aussi celle qui peut réécrire l'histoire, par exemple grâce au retourneur de temps. Elle a la possibilité de changer la fin du troisième tome et je trouve ça très intéressant. Elle est aussi celle qui tricote. Et la fileuse et la conteuse sont des figures qui sont normalement associées dans le conte. Celle qui tisse ou qui file, c'est celle aussi qui raconte l'histoire. Et Hermione est celle qui tricote pour essayer de changer le sort des elfes de maison. C'est aussi celle qui sait interpréter les contes et à qui va être confié le fameux livre de contes dans le dernier volume. Elle est indéniablement le personnage qui se rapproche le plus de la figure d'un auteur. Et qui devient donc la figure aussi à laquelle pourrait s'identifier J.K. Rowling, et devient le modèle de la sorcière moderne. Les sept tomes d'Harry Potter obéissent à la logique du cycle en littérature, la logique donc d'un monde qui s'enrichit, qui devient de plus en plus complexe au fil des tomes, et à travers ce qu'on vient de voir sur les figures des personnages, on voit bien cette évolution et cette complexification. On le voit aussi à travers le fait que les frontières entre les deux mondes, le monde des sorciers et le monde des non-sorciers, se brouillent au fur et à mesure. Le monde des sorciers se développe donc au fil des tomes. Après l'école, Harry découvre la forêt, puis les souterrains, puis la cabane hurlante, le village voisin de l'école, et plus tard, bien sûr, tous les terrains liés à la Coupe du monde de Quidditch, la maison de Sirius Black à Londres, le ministère, etc. Le monde des sorciers ne se réduit plus à une école et à une rue de Londres, c'est une société complète, intégrée à la nôtre, parallèle à la nôtre, mais qui est aussi en miroir à la nôtre. Si cet univers, avec son château effrayant, ses cachots, ses souterrains, associant fantômes et géants, impressionne au début, peu à peu, par un renversement de situation, il devient d'une certaine façon la norme. La sorcellerie qui y apparaît est elle aussi de plus en plus riche. Comme tous les sorciers, Harry possède forcément une baguette magique qu'il utilise au départ comme un outil, mais aussi comme une lampe de poche, par exemple. Baguette qui va devenir quand même une véritable arme au fur et à mesure des différents tomes.
La magie s'apprend et les pouvoirs du sorcier évoluent au fil des années. Il apprend à jeter des sorts, à fabriquer des potions et découvre peu à peu toutes sortes d'accessoires ou de techniques magiques telles que la poudre de cheminette, les portes au loin, le transplanage, qui permettent de se déplacer de façon instantanée ou par exemple d'illuminateur. En tant que héros, Harry seul parfois a accès à certains accessoires comme la cape d'invisibilité, la carte du maraudeur ou le miroir magique de Sirius Black. Ou des objets qui lui permettent de remonter le temps. Alors, le retourneur de temps est manipulé par Hermione, mais lui, il est associé à ce voyage dans le temps. Je pense aussi à la pancine. Il y a un accès privilégié. Alors, j'ai choisi de montrer la carte du maraudeur parce que je vais en reparler un petit peu plus bas, parce que c'est vraiment un outil qui lui est donné par d'autres personnages, mais qu'il va utiliser et qui va avoir plusieurs rôles, là encore, dans l'histoire. De plus, les intrigues se complexifient. À partir du tome 4, qui s'achève sur la mort de Cédric Diggory, un camarade d'école d'Harry, les tomes se terminent sur un sentiment d'inachevé. On n'est plus tout à fait dans la structure du conte dont j'ai parlé tout à l'heure, où je disais qu'à la fin, il y avait une espèce de retour à la normale ou à la norme et un retour au bien, on va dire. On a là quelque chose qui est plus ouvert et qui est plus indéterminé. Il reste encore beaucoup de choses à faire à Harry. Dans le tome 4, il doit annoncer et faire accepter le retour de Voldemort. Dans le tome 5, son parrain meurt par sa faute, le laissant à nouveau orphelin et rongé par un sentiment de culpabilité. Dans le tome 6, c'est son mentor qui disparaît. Les volumes ne s'achèvent plus sur un retour à l'ordre, mais au contraire sur une impression de chaos grandissant. Si donc cette structure du tome se retrouve quand même globalement dans certains des tomes, la fin n'est plus du tout celle qui est attendue, rassurante, d'une situation finale qui proposerait une résolution au problème initial. On est bien sûr dans cette structure cyclique et il y a cette intrigue d'ensemble qui couvre tous les volumes et on va voir qu'en fait ce qui prend le dessus, alors qu'au début peut-être que nous intéressait plus les intrigues de chaque tome, c'est cette intrigue globale, cette quête qu'il mène en parallèle à la lutte contre Voldemort qui apparaît de plus en plus clairement à partir du tome 4. Je voudrais juste faire une remarque sur la question du point de vue dans les histoires, qui est très intéressante parce que au départ, le lecteur suit pas à pas les traces de Harry, et entre autres avec la carte du maraudeur, et il découvre l'univers en même temps que lui. Mais petit à petit, les choses sont moins claires. Le chapitre introductif, par exemple, du tome 4, nous propose une scène où on ne voit pas Harry. Et en fait, on comprend que cette scène, on y a accès dans son sommeil. Et le rêve est la transmission de pensées, particulièrement entre Harry et Voldemort, vont devenir des moyens détournés pour avoir accès à d'autres scènes auxquelles Harry ne pourrait pas avoir accès de façon consciente. Ce qui permet d'accéder à d'autres scènes. Alors, on a aussi cette façon de passer à d'autres scènes par la transmission de pensées, par le passage par la pensée, on va dire, avec d'autres personnages, avec Dumbledore, avec la pancine, les cours de l'égilimensier avec Rogue, etc. On va pouvoir avoir accès à d'autres scènes, d'autres univers, d'autres périodes aussi. Et donc, on voit que le monde s'intensifie grâce à cet usage, on va dire, de la pensée, de la transmission de pensée et du rêve. Et il peut avoir aussi accès, le lecteur, à des scènes que ne voit pas Harry, pardon, dont Harry n'a pas conscience. Donc on a quand même des multiplications de points de vue qui nous proposent une vision plus riche du monde des sorciers. Alors cet univers, je l'ai dit, s'inspire de nombreuses traditions, se développe, se complexifie, mais aussi est lié très fortement à un univers contemporain, d'après moi. Cet univers nous offre une sorcellerie très moderne, avec des équipes de sport, un ministère, des groupes de rock, des spots publicitaires. Le Quidditch a ses sponsors, ses fans et tous les accessoires qui vont avec. La société magique ressemble à la nôtre. Il y a un hôpital, il y a un ministère avec tous leurs services. Et le ministère de la magie ressemble beaucoup à son homologue britannique, d'ailleurs qu'il rencontre, pour essayer de lutter contre les forces du mal. Ce contexte contemporain, à mon avis, apparaît surtout à travers les nombreux objets qui sont à la croisée, je l'ai dit en introduction, du merveilleux et des nouvelles technologies. Les images animées ressemblent au cadre numérique. La cape d'invisibilité, les oreilles à rallonge, ou tout simplement le fait d'être un animagus capable de se transformer en insecte, rappellent les systèmes d'écoute. La carte du maraudeur, qui est toujours visible sur la diapositive, alliance parfaite entre la référence au conte avec sa formule d'ouverture et aux méthodes de surveillance les plus modernes, fonctionne comme un système radar permettant de suivre à distance les déplacements. Les tableaux sont aussi un exemple significatif de ce croisement. Grâce à un mot de passe, ils ouvrent des passages secrets pour pouvoir accéder par exemple à la salle commune des Gryffondors.
Mais ils sont aussi un moyen de communication qui nous fait penser à Skype. On peut voir l'autre et on peut choisir de se cacher, de ne pas être vu. De même, Harry peut communiquer avec son parrain, Sirius, dont la tête apparaît dans l'âtre de la cheminée comme en visioconférence. Les miroirs et leurs nombreuses variantes mêlent également tradition à modernité. Le miroir interactif est un clin d'œil à Blanche-Neige, mais celui de Sirius Black, tel un smartphone, permet de communiquer en temps réel et peut être mis en veille. Les messages délivrés par les chouettes, parvenant à leur destinataire où qu'ils soient, permettent d'être contactés à tout moment de la journée, comme des textos par exemple. Grâce au transplanage, à la poudre de cheminette, seulement si les cheminées sont connectées au réseau ou aux portes au loin, les protagonistes sont capables de se déplacer instantanément et de se retrouver, ben, comme aujourd'hui, en virtuel, peut-être, dans un, non, en virtuel, mieux, en réel, entre guillemets, dans un autre lieu. Les épreuves traversées par le héros font penser aussi aux paliers des jeux vidéo et Harry possède la capacité d'adaptation requise. Les exemples des matchs de Quidditch ou les scènes de combat nous font vraiment penser à ces combats virtuels où il faut surtout éviter, esquiver les tirs des autres autant qu'attraper par exemple le vif d'or ou se défendre. Isabelle Smadja nous dit, à propos de ces nouvelles références, qu'à travers ces inventions, comme la carte du maraudeur, la carte d'invisibilité ou autre porte au loin, ce roman parle donc à la génération des screenagers en leur fournissant des métaphores qui fonctionnent comme de véritables outils de l'imagination pour intégrer, modeler ou traduire dans l'imaginaire leur expérience de ce nouvel espace qu'est l'espace virtuel. On a en fait un croisement entre magie et nouvelles technologies ou monde virtuel. J.K. Rowling parvient à construire un monde cohérent, où sorcellerie et réalité finalement quotidienne du lecteur s'accordent parfaitement. Je l'ai dit, les deux mondes, finalement, le monde des sorciers et le monde des non-sorciers, commencent à se brouiller ou se fondre finalement. Le monde magique tel qu'on l'imaginait en littérature enfantine dans les contes devient un monde où sorciers et non-sorciers se croisent, la division entre les deux sociétés s'estompe et c'est une autre frontière qui va se dessiner, plutôt entre les forces du bien et les forces du mal ou entre magie noire et magie blanche. Et le monde va se polariser autour des figures de Harry et de son ennemi Voldemort. On a là donc un univers qui se complexifie, qui est riche et complexe, et aussi qui s'adresse à un lectorat riche et complexe. Dès le début, l'œuvre a eu un succès transgénérationnel, j'en ai parlé, c'est-à-dire un succès qui touchait à la fois un public jeune et un public adulte. Alors, on a parlé de ses liens avec la fantasy, mais on peut aussi parler de ses liens avec le roman scolaire ou la school story. Et on peut dire aussi qu'il y a beaucoup d'humour et d'ironie, et qu'il y a des intrigues policières qui nous font penser, par exemple, presque à des romans policiers et ou à des romans d'aventure. On a donc dans ces romans de nombreuses références à d'autres type de roman qui vont enrichir encore cet univers et faire qu'il va pouvoir s'adresser d'emblée, on va dire, à plusieurs publics. Il y a les références aux romans scolaires. Alors bien sûr, on a vu tout à l'heure Harry en train de travailler. On peut penser aux plumes hein, qui se déclinent en de très nombreux modèles, aux rouleaux de parchemin. On a vu les punitions, on a vu le travail scolaire. On peut penser aussi aux grimoires. Et moi, j'ai choisi ici d'en montrer un qui est quand même très important dans le volume 3, mais qui se retrouve un petit peu plus tard. C'est le fameux monstrueux livre des monstres, qui est très dangereux. On a aussi une inscription dans la tradition vraiment du roman scolaire avec des thèmes qui se retrouvent dans les romans scolaires classiques, les questions de loyauté, d'honneur, l'amitié et rivalité aussi entre élèves. Souvent dans les romans scolaires, on a trois personnages qui sont les personnages principaux, un trio d'amis. Il y a aussi souvent des jumeaux qui font des blagues. Donc vous voyez qu'on retrouve tous ces ingrédients, on va dire, du roman scolaire dans les Harry Potter. Et aussi une part importante accordée à la nourriture et au repas et au sport. Et c'est aussi ce que l'on va retrouver dans Harry Potter. On a aussi, bien sûr, des éléments du roman d'aventure dans les Harry Potter. Moi, je pense à L'île au trésor de Stevenson ou le Club des cinq, Danny Blyton, qui commençait souvent par la découverte d'un écrit. Harry, chaque fois, commence par la découverte d'une lettre qu'il reçoit, parfois d'autres écrits qui vont lui permettre d'arriver, d'entrer dans ce nouveau monde. Il y a aussi, bien sûr, chaque fois des étapes, des endroits interdits où il faut passer. On se déplace souvent de nuit à la lueur de la baguette. Il y a énormément de parallèles avec ces romans d'aventure, surtout des romans d'aventure pour la jeunesse. Il y a des lieux, bien sûr, plus dangereux que d'autres.
Et puis, il y a des endroits où il faut aller se cacher. Il y a de nombreuses péripéties, de nombreux rebondissements, mais il y a aussi, bien sûr, des énigmes à résoudre. Et c'est en cela que je pense que les Harry Potter font aussi le lien avec des romans policiers. Alors, le roman policier qui nous intéresse, il y en a deux sortes, en fait, ici. Il y a le roman à intrigue, où il s'agit de trouver la solution à un problème, où il faut, pour le lecteur aussi, pas seulement les personnages, et c'est ça qui est intéressant, déchiffrer, trouver la solution. Alors là, je pense à chaque intrigue, chaque tome a au moins une énigme à résoudre. Qui a volé la pierre philosophale? Qui veut voler la pierre philosophale? Qui a ouvert la chambre des secrets? Qui est le prisonnier d'Azkaban? Qui va gagner la coupe? Que dit la prophétie dans le tome 5? Qui est le prince de sang-mêlé? Que sont les Horcruxes? Etc., etc. Donc, le lecteur, tout comme les personnages, est enquêteur et se livre au jeu de la vérité, véritable plaisir du déchiffrement. Il y a énormément de messages plus ou moins codés, de messages secrets qu'il faut arriver à déchiffrer et à comprendre, tout comme les tatouages qui apparaissent sur certains poignets, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la magie ne permet pas de tout régler, tout expliquer. Il faut parfois se servir d'autres outils. C'est aussi le roman policier dans le sens du roman à suspense. Le roman à suspense, c'est celui où il y a une menace, une attente qui vise un des personnages, en l'occurrence ici Harry Potter. Dans chaque tome, on comprend qu'il est de plus en plus menacé. Qui parle dans le tome 2? Quelles sont ces voix que l'on entend? Pourquoi Sirius Black lui en veut-il? Qui a écrit ces messages? Qui envoie qui est ce Barty Crumpton que l'on voit apparaître à plusieurs endroits, etc., etc. Donc il y a énormément de fausses pistes aussi qui sont proposées. Donc on est vraiment dans un roman qui, après le roman scolaire, le roman d'aventure joue aussi sur les figures, on va dire, du roman policier. Il y a bien sûr le roman de formation, la quête initiatique. Harry est à la recherche de ses parents, essaie de comprendre qui il est, et aussi essaie d'être à la recherche ensuite de qui était son fameux mentor, le professeur Dumbledore. Il essaie aussi, bien sûr, de comprendre pourquoi il est différent et en quoi il est différent de Voldemort et pourquoi il doit s'opposer à lui. Donc il y a à la fois cette épopée, ce roman de formation et cette quête personnelle, cette lutte entre le bien et le mal. Que de nombreux outils, objets comme le miroir des risettes lui permettent de découvrir. Donc, on puise dans de très nombreuses traditions, et le fait de puiser dans ces traditions fait que chaque lecteur va y trouver ce qu'il veut y trouver. Et je vous ai dit que c'était une œuvre transgénérationnelle, et c'est l'idée, c'est que par exemple, certains plus âgés vont retrouver les livres d'Enid Blyton, par exemple, qu'ils ont lus, les romans scolaires, qui faisaient partie d'une tradition un peu plus ancienne. D'autres beaucoup plus vont penser à d'autres œuvres qui ont été republiées de façon plus récente, comme certains textes de fantasy. En fait, on va avoir comme ça plein de sujets qui vont permettre aussi de faire en sorte que les générations se croisent et peuvent échanger aussi sur ces livres. C'est ce que nous dit Sophie de Mijolla-Mellor en nous disant, en traitant de sujets suscitant la réflexion et invitant à l'échange entre enfants et adultes, le livre favorise également les échanges transgénérationnels et devient médiation entre l'enfant et aussi le futur adulte qui s'apprête à devenir. Donc on a ici, en multipliant ces clins d'œil à la société contemporaine et à des traditions beaucoup plus classiques, en multipliant les clins d'œil à des genres littéraires variés, on a vraiment une œuvre qui s'adresse à tout un public très diversifié et qui correspond bien à ce lectorat enfant, d'où les lecteurs du tout premier volume au début, qui paraît très enfantin, entre autres dans sa présentation, à un lectorat beaucoup plus adulte. En fait, ça s'explique peut-être tout simplement par ce que J.K. Rowling a expliqué elle-même. Elle a toujours dit qu'elle avait envie d'écrire le livre qu'elle aurait eu envie de lire. Alors, je veux vous montrer juste les couvertures des premiers ouvrages qui sont parus, parce qu'il y a eu énormément de rééditions, il y en a toujours énormément, c'est quand même assez étonnant hein, de voir la quantité de rééditions de ces livres. Je voulais juste vous montrer celle-là, parce qu'on voit bien les couvertures en haut des premiers livres qui sont parus chez Bloomsbury, où on voit quelque chose de très coloré, très dynamique, vraiment avec la locomotive, des choses comme ça, et beaucoup d'images, pardon, beaucoup d'images, je ne sais pas pourquoi le diaporama a changé, beaucoup d'images associées justement au déplacement, donc ça donne envie d'y aller, je vais revenir, ça donne envie de parler à l'aventure, de partir à l'aventure, pardon, alors que
Je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît plus. Bon, je termine. Alors qu'ensuite, si vous avez pu les voir, les couvertures des livres pour les adultes sont par contre beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres et s'adressent bien sûr à un public davantage adulte. Les prix qui apparaissent aussi sur ces couvertures ne sont pas les mêmes. En anglais, il y avait les prix Smarties pour l'édition plutôt correspondant aux enfants, alors qu'il y a d'autres, il y a un extrait du Times par exemple dans l'édition adulte. La langue est assez simple. Il est assez facile de lire les Harry Potter. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, il y a quand même un autre niveau de lecture, y compris au niveau de la langue. Il y a beaucoup de néologismes, de mots-valises, comme le choix-pot, le portoin, là, ce sont les traductions. Mais il y a aussi un travail sur les noms des personnages, sur l'onomastique, et qui propose plusieurs niveaux de lecture. Valérie Dousseau, qui a fait aussi une thèse sur Harry Potter, parle de paranoïa textuelle. Elle dit qu'on essaie d'y voir plein de choses parce qu'il y a énormément de sens en fait qui se croisent dans les Harry Potter. Alors, ce que je voulais vous montrer, mais je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît plus. Je vais essayer de revenir à la diapositive suivante. C'était justement que, par exemple, le nom du professeur Snape, en anglais, alors comme j'ai travaillé sur le texte anglais, je vous parlais texte anglais, peut vouloir dire plein de choses en anglais. Ça peut vouloir dire to snap, ou ça peut venir de snap, qui veut dire parler d'un ton sec, d'un ton cassant. Ça peut vouloir dire aussi, ça peut faire aussi un lien avec le snake, qui est le serpent, bien sûr, entre autres les serpentards, mais ça veut aussi dire faire du mal, Snape. Donc c'est pas un hasard si ce personnage a cette image assez négative. Son prénom, Severus, nous fait bien sûr penser à sévère, ce qu'il est en tant que professeur, mais il y a aussi le verbe to sever en anglais qui veut dire séparer, couper. Et on voit bien que le professeur Snape en anglais est quelqu'un qui essaie beaucoup de séparer, de diviser pour mieux régner. Ça fait partie un peu de ses politiques et de sa façon de gérer les élèves. Donc il y a énormément de jeux comme ça sur les noms des personnages que l'on retrouve. Voilà. Moi j'ai parlé en anglais, mais bien sûr qui permettent de faire une lecture plurielle. Alors je vois, excusez-moi, j'essaie de voir pourquoi mon diaporama ne passait plus. Donc oui, j'ai un souci avec le diaporama, mais je vais quand même continuer. Je vais essayer de Les voir, je flèches qui continue, fonctionnent plus, excusez-moi. c'est quoi qui se passe? Ah, Voilà les nickel, parfait. Bon, c'est cool. diapositives. Ah, ça y est, voilà. Donc là, c'était l'explication, pardon, sur le nom du professeur Rogue, donc Snape en anglais. Là, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, il y a aussi, pardon, ces noms propres qui font référence à d'autres personnages, d'autres littératures encore. Harry Potter peut-être peut faire penser à Beatrix Potter, qui est celle qui a écrit les aventures de Jeanne Lapin, ou Peter Rabbit en anglais. Mais Harry, ça peut être aussi un clin d'œil à de nombreux Harry ou Henry de la littérature anglaise, dont de nombreuses pièces de Shakespeare, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a différents niveaux de références littéraires, des références à la littérature de jeunesse, mais aussi des références à une littérature beaucoup plus adulte, dans ces jeux sur les noms des personnages. Ensuite, il y a des événements aussi qu'elle a voulu cacher, des choses des vérités multiples ou à plusieurs niveaux qu'on trouve aussi par rapport à ces personnages et à ces histoires. Je donne un autre exemple ici rapidement, c'est la plume à papote qui pour un enfant va être un accessoire magique formidable et très rigolo, alors que pour bien sûr quelqu'un d'autre, un adulte, quelqu'un d'un peu plus âgé, on va voir la critique qu'elle fait de la presse à scandale avec qui elle avait vraiment des comptes à régler puisque bon, voilà, elle a été un peu malmenée par eux, ou du moins un peu harcelée par eux. Et elle a, je pense, souhaité, à travers le personnage de Rita Skeeter, régler un petit peu ses comptes avec cette presse. Il y a aussi souvent deux niveaux d'horreur. Moi, je pense à Nick quasi sans tête, c'est quelque chose de très très drôle, qui interroge tout le monde, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut être quasi sans tête? Puis il explique qu'en fait, il n'a pas eu la tête complètement coupée. Donc ça, c'est plutôt drôle. Et puis son anniversaire, d'ailleurs, est aussi un regroupement ou un rassemblement de personnages tous plus loufoques et drôles que les uns que les autres. Donc c'est une horreur, mais plutôt amusante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une vraie horreur dans les Harry Potter, avec une présence quand même très forte de la mort, qu'il n'est pas possible de vaincre grâce à la magie. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose d'intéressant dans son travail. On voit à quel point elle est présente,
Et mis à part Nicolas Flamel dans le premier, qui a vécu une certaine forme d'éternité, d'ailleurs à laquelle il va renoncer, on voit que l'éternité qui apparaît, qui semble apparaître dans Harry Potter, n'est pas bonne. On a par exemple l'éternité que l'on voudrait avoir par l'écriture. Je pense à Lockhart, qui cherche absolument à être célèbre et à garder, à passer à la postérité, et il va devenir celui qui oublie qu'il est. Donc on se joue quand même de la mémoire dans ce cas-là. Et même Mathilda Tour-de-Sac, qui écrit donc des histoires, aussi devient un peu folle et perd la tête à la fin. Il y a donc cette magie qui est présentée comme imparfaite, faillible et limitée. Et puis même le miroir, on a parlé du miroir qui était important, qui est un clin d'œil important au monde de la magie. Il y a des miroirs dans Harry Potter qui lui disent qu'il faut qu'il se recoiffe et qu'il faut qu'il rentre sa chemise dans son pantalon. Donc elle déconstruit en fait un certain nombre d'outils et d'accessoires qu'elle a pu utiliser. Il y a un exemple de magie qui est vraiment malmené aussi dans les Harry Potter, qui montre ce travail un peu de déconstruction, c'est tout ce qui a trait à la superstition et la divination. Alors là, c'est vraiment un domaine dont se moquent les prédictions, elles s'en moquent, tout en quand même attribuant à une prédiction un rôle clé dans l'intrigue. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle propose un univers de la magie dont elle se moque parfois, qu'elle déconstruit en partie, enfin, elle joue vraiment avec cette dualité de l'univers. Par rapport au monde des sorciers, il y a aussi de nombreux clins d'œil à l'image historique que nous pouvons avoir des sorcières, avec les histoires des procès, des sorcières que l'on brûlait. On voit Harry et Ron qui ont un devoir à rédiger là-dessus, et ils expliquent que si ça avait été des vraies sorcières, elles n'auraient pas été brûlées parce qu'elles auraient réussi à s'échapper. Donc ça, c'est aussi très amusant. J'ai parlé des néologismes, et j'ai parlé de l'onomastique, donc cette création des noms important chez Harry Potter. Elle s'en moque aussi quand Ron doit rédiger un devoir et qu'il ne se rappelle plus le nom des leaders de la ce sont des révoltes, voilà, des gobelins. Il ne se rappelle plus les noms des chefs de la révolte, et donc à la place il invente des noms qui ressemblent et ça passe. Et on voit même d'ailleurs que Ron à un moment donné imite le fourche-langue dans le dernier tome pour pouvoir accéder à la salle, et il y arrive. Donc il y a quand même une certaine un peu forme d'auto-dérision sur l'univers qu'elle a créé. La diapositive qui est affichée vous montre aussi cette forme d'auto-dérision par rapport au néologisme qu'elle a créé. On sait que associé au monde d'Harry Potter, il y a aussi tout un vocabulaire, tout un lexique qui est apparu. Et alors là, j'ai mis les mots anglais, donc je suis désolée, mais c'est pour vous montrer qu'elle a créé elle-même une forme d'auto-référence qui est ironique ou humoristique. Alors par exemple, les Dursley, qui sont eux-mêmes des caricatures, quand elle parle de certaines personnes qui ne leur ressemblent pas du tout, elle a créé l'adjectif Dursley-ish, et puis elle fait un Dursley-ish. Donc, et ça, c'est la tante Pétunia qui dit ça. Il y a aussi un adjectif qui apparaît à partir de la tante Pétunia, un Pétunia-ish. Et puis, à partir d'Ombrage, il y a la maladie d'Ombrage qui affiche des affiches, des panneaux partout, donc l'umbridge-itis, qu'on appelle, avec le suffixe itis, qui est celui des maladies, normalement. Et puis, les sorciers, comme je l'ai dit, sont loin d'être parfaits. Et tout comme Harry, au début, ne maîtrise pas très bien les codes de l'univers des sorciers, les sorciers eux-mêmes ne maîtrisent pas du tout bien les codes de notre univers. Ils se trompent. Ils se trompent dans les mots. Ils se trompent, par exemple, au lieu d'employer le mot fire, arms, qui veut dire les armes à feu, mais on sait que arm, en anglais, c'est aussi le bras. Kingsley Shacklebolt dit les fire legs. Et puis, au lieu de dire les policemen, ils disent les policemen. Donc voilà, eux-mêmes se trompent, et en faisant cela, elle se moque de sa propre création de mots nouveaux et du lexique si spécifique à Harry Potter. Un dernier petit clin d'œil sur les cicatrices. On sait que la cicatrice est quand même quelque chose de très important dans Harry Potter, mais si vous vous rappelez, Dumbledore dit que lui-même, il a la cicatrice du plan de Londres sous son genou gauche. Donc il y a quand même un clin d'œil même à ce symbole qu'est la cicatrice. De nombreux clins d'œil à la célébrité, à la postérité. J'ai parlé de Lockhart tout à l'heure. Dès le tout premier tome, on nous dit qu'Harry sera célèbre, qu'il y aura peut-être un jour ou une journée Harry Potter. Le professeur Lockhart passe son temps à signer des autographes, et Colin Creevey, qui est un élève qui est fan d'Harry Potter, passe son temps à essayer de le prendre en photo, et il y a des scènes très amusantes où il fait des photos
où Harry essaie de s'échapper pendant que Lockhart essaie de le retenir sur la photo. Donc il y a aussi tout un jeu comme ça autour de la célébrité, la postérité. Il y a bien sûr cet auteur qui veut écrire la biographie d'Harry, alors qu'il vient de raconter l'histoire, voilà, la vie d'un vampire. On est en plein dans les clins d'œil à Twilight aussi à ce moment-là. Donc il y a quand même aussi le jeu des cartes, enfin, le clin d'œil au jeu des cartes Panini, avec ces jeux de cartes avec les héros qu'ils échangent. Il y a tout un jeu comme ça sur la célébrité dont elle se moque ou dont elle rit. Et c'est d'ailleurs Ron peut-être qui le dit le mieux à la fin, quand ils arrivent à la gare, et que dans l'épilogue, et quand on lui demande pourquoi on nous regarde, il dit « t'inquiète pas, c'est parce que on est très célèbre, je suis très célèbre ». Et Ron dit ça alors qu'il est bien sûr à côté de Harry. En fait, elle essaie comme ça de prendre, la romancière, donc J.K. Rowling, essaie de faire prendre conscience de tout cela à ses lecteurs et lui faire prendre un certain recul par rapport à son œuvre. Elle le met en garde à plusieurs reprises contre le pouvoir addictif et ensorcelant des livres. Ron dit même, il y a un livre qu'on ne pouvait plus jamais s'arrêter de lire une fois qu'on avait mis le nez dedans. Et bon, un écho au succès des Harry Potter sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, attention, ça, c'est un piège peut-être que je vous tends. Il est intéressant quand même de voir qu'Harry renonce à la sorcellerie, j'en ai parlé déjà un tout petit peu, pour vaincre le Seigneur des Ténèbres, qu'il doit se présenter à lui sans lutter, et qu'il choisit même de ne pas garder la baguette d'invincibilité. Il a déjà renoncé à la magie plusieurs fois, par exemple pour enterrer Dobby, l'elfe de maison, et la magie, c'est peut-être pas la solution à tout. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle nous ramène finalement peut-être à notre propre monde. Et c'est ce que dit Vincent Jouve quand il dit que la lecture littéraire a le double intérêt de nous plonger dans une culture et d'en faire éclater les limites. Et c'est exactement ce qu'elle fait. En nous proposant de tisser des liens avec des traditions littéraires plus anciennes, mais également avec d'autres moyens d'expression très contemporains, en proposant une œuvre qui grandit avec ses lecteurs, en multipliant ses niveaux de lecture, J.K. Rowling s'adresse d'emblée à des lecteurs de tous âges, tout en accompagnant le lecteur jeune qui démarre dès le premier tome. L'expansion de l'univers fictionnel, tout comme l'évolution de la figure du sorcier, reflète la transformation aussi de ce lectorat et peut être perçue comme une transition décisive entre littérature de jeunesse et littérature adulte. Et parce qu'il ne perçoit pas d'emblée tous les jeux de son texte, elle pousse aussi son lecteur, qui lui-même est déjà ensorcelé, à la relecture. Et la relecture est un phénomène quand même qui est frappant quand on discute avec des lecteurs d'Harry Potter. Y compris des adultes qui relisent après, en étant devenus adultes, les livres d'Harry Potter. En entretenant donc une relation privilégiée avec son lecteur, encourageant cette immersion fictionnelle, cette identification et en même temps cette distanciation, prise de recul, elle entraîne son public à suivre les aventures d'Harry Potter, à frissonner, à trembler, mais aussi à sourire avec lui, et le prend peut-être petit à petit au piège de son écriture ludique et manipulatrice, tout en lui apprenant à devenir un lecteur méfiant et averti. Je trouve ça, c'est intéressant. Elle ne cherche pas simplement à le tromper, elle le trompe, puis elle le trompe ou le manipule ou l'entraîne dans un monde merveilleux, tout en lui disant qu'elle le trompe, qu'elle le manipule et qu'elle l'entraîne dans ce monde merveilleux. Elle a créé un univers présentant de la sorcellerie d'abord comme faussement effrayante et désirable, puis peut-être après plus complexe, plus effrayante, mais elle dénonce aussi les limites de l'univers qu'elle a créé. Contrairement à d'autres œuvres de fantasy, elle nous propose un monde pas simplement alternatif, mais aussi un monde réflexif dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il nous encourage à nous voir, puisque je trouve que le monde d'Harry Potter est un miroir sur notre société, mais elle nous amène aussi à réfléchir. La sorcellerie chez J.K. Rowling, dans l'univers qu'elle dépeint, n'est pas simplement une invitation donc à l'évasion, mais nous amène à réfléchir à son travail d'écriture qu'elle a déconstruit, comme j'ai essayé de vous le montrer un petit peu, mais aussi à notre propre donc, condition de lecteur. Elle nous renvoie aussi à ça. L'ensemble d'Harry Potter, par ce phénomène d'investissement personnel des lecteurs, spectateurs, aux proportions jamais atteintes auparavant, a initié un phénomène de fanfiction, par exemple, énorme. C'est-à-dire qu'en nous renvoyant à son travail d'écriture et à notre condition de lecteur, elle encourage aussi le travail d'écriture. Elle montre des jeux qu'elle encourage peut-être certains lecteurs à reproduire. Il n'est pas alors étonnant de voir à quel point les lecteurs se sont à leur tour investis dans des travaux de réécriture, prolongeant et détournant à l'envi le monde de Harry Potter
d'Harry Potter et les jeux qu'il leur offre. Alors, j'ai choisi cette diapositive là parce que à la fin du 8e film, voilà le genre de choses que l'on trouvait dans les fanfictions. Non, ça n'est pas fini, avec encore beaucoup d'autres écritures et prolongements. Elle-même a prolongé l'univers, hein, avec entre autres les nouveaux films sur Grindelwald qui apparaissent après. Comme l'explique Isabelle Smadja, la multiplicité des sources auxquelles renvoie le texte de Rowling peut alors expliquer l'universalité du succès d'Harry Potter. Il s'adresse à tous les lecteurs, en termes d'âge, mais en termes aussi de goût, de choix, de genre, et en termes de ce que le lecteur veut trouver en fait dans les romans. Tout le monde a quelque chose à y trouver. Peut-être une des clés du succès. Harry Potter, petit sorcier né dans les années 90, n'a pas seulement renouvelé la figure du sorcier et le monde de la sorcellerie, avec toutes ces ramifications dont je vous ai parlé, il a aussi révolutionné le monde de l'édition jeunesse, bien entendu, et a bouleversé le contexte culturel mondial, est devenu un phénomène de la culture pop. Mais ça, c'est une autre histoire, dont peut-être je parlerai un autre jour. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. J'ai mis en bas mon adresse mail pour ceux, vous savez, qui souhaiteraient me contacter. Il y a souvent des gens qui ont des questions à me poser par mail, donc voilà, je l'ai laissé dans la dernière diapositive. Merci beaucoup. Merci Marie-France. Est-ce que vous avez le temps pour répondre à quelques questions? Moi, j'ai le temps, oui. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Veuillez, il y a un petit bouton, raise hand, vous levez la main, voilà, très bien. Il faut activer ton micro, Mathieu, ou alors dans le chat, peut-être. Ok, je voulais savoir, bonjour Bonjour. Madame Burguin, est-ce que vous avez noté justement les différentes références linguistiques dans les noms britanniques pour Harry Potter? Est-ce que vous avez pu trouver des équivalences dans les traductions françaises? Alors moi j'ai trouvé, je vais dire quand même que le travail du traducteur est remarquable. Il a moins changé, alors il a changé certains noms. Je pense à par exemple Maugrey-Folleuil, qui est Mad-Eye Moody, donc il y a le côté mad, donc le côté folie, donc là avec Folleuil. Maugrey qui reprend le Moody, qui veut dire en anglais qui a une humeur changeante. Enfin voilà, donc il a quand même sur certains noms essayé de reproduire ce travail. Il l'a fait peut-être. Alors, on peut en discuter sur Snape, justement, qu'il a traduit par Rogue, qui est quelque chose qui a une connotation assez négative, mais qui est peut-être moins riche, en fait, que l'original. Il ne l'a pas fait sur tous, mais il l'a fait sur certains. Oui, sur certains. Je crois que ça aurait été très, très compliqué d'essayer de reproduire. Alors, je vous donne un autre exemple. Weasley, c'est aussi. Ça fait penser à Weasel, qui est la belette en anglais, et donc qui est rousse, comme la famille des Weasley. Enfin, ça, j'imagine qu'il a déjà travaillé beaucoup sur les néologismes, le Choixpeau, j'en ai parlé tout à l'heure, le Portolouin, etc. C'est déjà très bien tout ce travail-là. Je pense que ça aurait été très compliqué, les mots valises, hein, qu'il a traduits, très compliqué de faire aussi ce travail sur les noms. Il l'a fait sur certains. Ombrage, Umbridge en anglais, bon, c'était assez proche, donc c'était assez facile. Sur certains, oui. Thank you.